Zanmim yo, fwè Maksèm yo, pep kap prepare pou siel la. Kompatriot ayisyen nou yo, bonjour, bonsoir. Nou mwen se Keti Charles Desjoie, servante bon Dieu ya. Bienvenue sou chanel YouTube Fos Priye, kote nou priye, honore, glorifiye bon Dieu, e li la Bib nou chak jou, 3 chapitre par jour. Devise en chanel fausse prière, c'est prier, veiller, agir. Avant de commencer, nous pouvons baisser tête nous légèrement et fermer les yeux nous sensiblement pour un coup de prière. Papa, nous qui sommes dans le ciel, là, nous remercions infiniment pour bonté, pour grâce, pour miséricorde. Alors que nous pouvons commencer avec un chanel YouTube fausse prière, nous demandons autant prier, Seigneur, pardonnez péché, nous jouons des cieux, remplis-nous de son Saint-Esprit. Et vos esprits, si on vient guider nous dans tout ça que nous allons faire. Et tout ça, nous allons faire va pour gloire et pour honneur. Avec le pardon de nos péchés, nous prions au nom de Jésus. Amen. Chers amis, frères et sœurs, les nous partager chanel YouTube Force Prière, nous participer dans l'œuvre évangélisation Monsa. Pas négliger fait ça. Merci infiniment parce que nous pouvons like, share et subscribe notre chanel Force Prière. N'après mes channels, abonnez et partagez channel ça et bon Dieu va bénir nous abondamment. Merci, merci beaucoup. Chers amis, frères et sœurs, nous allons commencer avec le numéro 239 des hymnes et louanges. Lorsque devant l'œil s'ouvrira le grand livre, où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour chers amis, frères et sœurs, on a continué avec événement des derniers jours. Le chapitre 14, intitulé Le Grand Cri, et sous-titre De nombreux adventistes s'endurcissent contre la lumière. Page 211 et 212, paragraphes 765 et 766. Nous assisterons bientôt dans les églises d'Adventistes du septième jour à une merveilleuse manifestation du pouvoir de Dieu. Mais il n'aura pas d'effet sur ceux qui ne se sont pas humiliés devant le Seigneur et qui n'ont pas ouvert leur cœur par la confession et la repentance. Dans cette manifestation du pouvoir qui éclaire la terre de la gloire de Dieu, ils ne croiront discerner du fait de leur aveuglement, que quelque chose qu'ils jugeront dangereux, qui éveillera leur crainte, et ils s'endurciront eux-mêmes pour résister à cette influence. Parce que le Seigneur ne travaillera pas selon leurs idées et leurs attentes, ils s'opposeront à son œuvre. Comment disent-ils, ne connaîtrions-nous pas l'Esprit de Dieu alors que nous avons été dans l'œuvre pendant tant d'années? Le message du troisième ange ne sera pas compris. La lumière qui illuminera la terre de sa gloire sera appelée une fausse lumière par ceux qui refuseront de progresser dans son cheminement glorieux. Chers amis, frères et sœurs, c'était événement de dernier jour. Merci. Chers amis, frères et sœurs, on continue avec le numéro 239.
Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux ciel. Je vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer à la lecture de la Bible, mais avant de faire ça, nous allons baisser tête nous légèrement et fermer les yeux nous sensiblement pour nous prier. Papa, nous, Créateur du ciel et de la terre, nous baissons bien bas devant face bénie pour implorer. Pardonne-nous, pardonne péché, nous, Seigneur. Nous connaissons, nous faisons tout ça qui mal devant face bénie. Nous demandons autant pour effacer péché, nous, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit. Pardon pour tout ça nous fait. Qui mal. Tant pis, Seigneur. Voyez tout vieux péché, ça y est, jeté bien loin, dans un abîme sans fin, côté pour pas jamais retourner à la surface. Voyez le regard paternel sous nous. Pardonnez péché, nous, du haut des cieux. Restez avec nous. Alors que nous allons commencer avec la lecture de la Bible, nous demandons tant pis, Seigneur. Fais-nous comprendre tout ça, nous pour lire. Et fait nous pratiquer chaque jour dans la vie, nous. Même j'ai avec tout le monde qui a tant de fausses prières, bah, y a habilité pour comprendre et pratiquer tout ça que nous pouvons lire. Papa, tant pour pardonner les péchés, nous disons des cieux, nous prions comme ça au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Matthieu chapitre 15. Pouti, grand monde longtemps, yo. Laissant les pharisiens et directeur la loi sorti Jérusalem. Ils ont bon côté Jésus, ils ont dit, et pris sa disciple yo à suivre coutume grand monde longtemps. Yo. Gardez, yo pas lavé mais yo envoie yo manger. Ils répondent yo, et nous-mêmes, à parler là. Pourquoi ça n'a plaidé de désobéir commandement bon Dieu yo pour nous suivre pour tim pas nous yo. Très bien. On dit nous comme ça respecter papa ou ak maman ou. Il dit encore si ou monde pas la papa ou sinon maman le mal, c'est pour tout yel. Mais nous-mêmes nous dit si ou monde dit papa ou sinon maman, ça me tagué pour me ba ou wa, m'offrir le bail bon Dieu. Moun sa, pas besoin de faire un yé pour papa ou sinon pour maman. C'est comme ça. Avec coutume nous yo, nous faisons pas le bon Dieu à passer pour un yé, même. Bon hypocrite. Et ça y était que raison, elle t'a parlé sous nous. J'en sa y écria. T'es dans la bouche, peuple ça, respectez-moi. Mais. Ayo bien loin moi. C'est temps yo a perdu. Et a fait service pour moi parce que non ça y a dit c'est pas les hommes y a montré monde. Ça qui met des monde dans condition pour pas qu'à servir bon Dieu. Après ça, qui rele foule moun yo qui dit yo. Et pour te bien ça m'a dit nous là. Moi je comprends ça. C'est pas bagaille qui entre dans bouche du monde qui ca mettre dans condition pour pas ca servir bon Dieu. Mais c'est ça sorti dans bouche lui qui ca mettre dans condition ça. Les ça disciple yo proche beaucoup tel me dit comme ça. Et pour les pharisiens, ils ont offisqué, peut-être ça ou ça dit là.
Jésus répond, yo, et si ce n'est pas papa dans ciel là qui plante une plante, et que pour te raciner, pas occupé yo, si on bon avec, kap mene avec pareil yo, si on avec, kap mene yon lot avec, pour dégain pour tomber, en même toi. Dieu voit la parole. Il dit Jésus comme ça. Et expliquez-nous par rapport à ça, non. Jésus répond, nous même tout, nous sans comprendre toujours. Nous ne pouvons pas comprendre par rapport à ça. Tout un gars qui est entré dans la bouche du monde, ça passe dans le ventre. Après ça, il sortit dehors. Pas gay qui sorti dans bouche du monde, c'est dans quel ça sorti. C'est pas gay comme ça qui mettait le monde dans condition. On pas qu'à servir bon Dieu. C'est dans quel toute mauvaise idée sorti. L'idée tout le monde, l'idée faire adulte avec l'autre bataille qui pas d'accord avec volonté bon Dieu, tant pour l'idée volant, l'idée faire mentir sur le monde, l'idée bail mentir. C'est pas gay ça yo. Qui mettait le monde dans condition pour ne pas servir bon Dieu. Mais, si on mange sans laver, mais, j'ai dit là, ça va pas mettre le monde dans condition pour ne pas servir bon Dieu. Une femme qui pas juive croit dans Jésus. Jésus qui était côté le terrain, l'aller dans la zone de la ville Tyr, avec la ville Sidon. C'est constant. Yon fam moun peyi kanaran ki ta viv nan zon nan vin jwen ni. Li pran rele e met petit wad David la pitye pou mwen. Petit fim nan gen yon mouvel espri sou li ka fatige l'anpil. Men, Jezi pa okipe li men. Disip li yon pouche bon kote li. Me dil kon sa et fait la les non parce que la marche des non la plaie des brûlés dans les oreilles non Jésus répond c'est seulement pour monde qui perdit dans race Israël là yo voyez moi mais on a vini et là avec Paul là pied Jésus il dit les comme ça mais qui chose pour moi non Jésus répond ni a pas bon pour moi te pain dans bouche ti moun yo pour me chéter le bachin laisse ça on a dit c'est vrai oui mais chien manger ti calpe qui tombé en bas table mes pieds laisse ça j'ai dit madame pour confiance en pile tout bagaille a passé pour j'ai ouvert là même Léa il l'a guéri Jésus guéri un petit monde malade Jésus qui était côté de Léa il marchait sous bol en Galiléen il montait sur un petit monde j'étais là le bon monde vient joindre mais le monde qui a boité monde qui avec bébé et film ensemble à camper l'autre monde malade encore. Nous étions en prié Jésus. Jésus guérit. Pour nous, nous te saisis en pile. Là, nous voyons ça. Bébé, nous parlons. Et film, nous guérit. On va brûler, nous marcher droite avec nous. Là, ça, nous pouvons faire louange pour Dieu, peuple Israël. Jésus baille 4000 monde manger. Jésus dans les disciples, il dit, qui me fait mal pour mon saïo? Ça fait 3 jours depuis que je lave. Il n'y a pas de rien pour manger encore. Il n'y a pas de voyer aller comme ça sans manger. Il y a quand même faiblesse dans le chemin. Les disciples, ils m'ont dit, non, c'est ça. Qui va vous jouer un pain? Ou pas tout le monde sait manger. Jésus m'a dit, et combien de pain nous avons comme ça?
Nous répondons, nous avons 7 pains avec quelques poissons. Laissant, Jésus fait pour le monde, nous chita à terre. Il prend 7 pains avec poissons. Il dit, bon Dieu, merci. Il casse en morceaux. Il remet au bail disciples. Disciples eux-mêmes marchent bail tout le monde. Tout le monde est mangé plein de fortune. Disciples eux, plein 7 pains pour te aller avec morceaux qui te retenu. Il y a un tout 4 000 garçons qui étaient jeunes manger pour y manger, sans compter femmes et petits monde. Après ça, Jésus voyait tout le monde aller. Il même monté dans le canot là. L'aller dans un pays où il y a Magadan. Amen. Matthieu chapitre 7. Parisien et sadistéen mandé Jésus fait miracle. Parisien yo ak sadiseyen yo poche bon kodi Jezi. Petèk le pral nan pelè. Yaman del pou fè yo mirak ki pou montre se bon Diyo ki bal tout pou fwa sa. Petèk repon yo. Ah, le solè la pral kouche nou di gade jan siel la ouj. Tan pral bel. Nan gom maten nou di jodi ya la fè la appelé. La déjà ciel là couvri. Et tout rouge. Donc, on qui sens pour nous bailler bagaille, ça passe dans ciel là. Pour qui ça, à quoi, nous pas qu'on qui sens pour nous bailler bagaille, ça passe sous la terre pour nous. On a les qu'il est, yo, à tout yo méchant, à tout yo viré de bailler, bon Dieu, mais y a pas des miracles. Mais tout, on va jouer un autre miracle, passer miracle Jonas là. Après ça, il vire d'ol dans le fait route. Les 20 pharisiens avec les 20 sadducéens. Les disciples ont jambé l'autre bol en mer, ils ont oublié pour te paix. Les ça, Jésus dit yo, et fais attention. Prends précaution avec les 20 pharisiens yo, ensemble avec les 20 sadducéens yo. Disciples yo, yon t'a dit l'autre. Et c'est parce que nous pas porter pain qui fait la dit ça. Jésus qui connaît ça, yo t'a dit comme ça. Demandez yo, pour qui ça nous yon a dit l'autre, c'est parce que nous pas porter pain qui fait la dit ça. Alors nous manquons confiance dans mon Dieu. Pour qu'on comprenne toujours. C'est bien, nous avons oublié, nous avons séparé 5 pains by 5 000 personnes. Nous n'avons pas songé combien de pains nous avons pu aller. C'est bien, nous avons oublié, nous avons séparé 5 pains by 4 000 personnes. Nous n'avons pas songé combien de pains nous avons pu aller après ça. Et bien, nous faisons comprendre, c'est super, nous avons parlé, non? Demain, dit nous, prenons précaution, nous, avec les 20 pharisiens, ensemble avec les 20 sadducéens. Dès l'instant, disciples comprennent, et pas dit nous, prenons précaution avec les 20 yo fait pain. Mais, avec tout le bagage pharisiens, avec sadducéens, à propos du monde. Bien reconnaît Jésus-Christ là. Après ça, Jésus allait dans la région qui tout près la ville, Césarée Philippe là. Il m'a des disciples, et tout le monde, il dit, moi-même, on va dévoyer dans la chaîne. Il répondit, ah, il y a un monde qui dit, c'est Jean-Baptiste ou il y a l'autre qui dit, ou c'est Élie. Il y a l'autre encore qui dit, ou c'est Jérémie. Ou sinon, il y a un prophète, yo. Il dit, bon, nous-mêmes, et moun nous dit, moi, dis-moi, Pierre répond, c'est Christ là, et dit, bon Dieu vivant. Le saint, Jésus dit, lui, et ou-même, dis-moi, et dit, Jean. Vous savez, un homme, bon Dieu béni. Parce que
C'est pas moi qui fait ou pour vérité ça. Mais c'est papa qui est dans le ciel là qui fait ça pour vous. Moi-même, mais ça m'a dit où? C'est une roche. Bien. C'est sous roche ça, m'a bâti l'église, moi. À ta la mort, papa fait le païen. Ma baou, clé pays, qui est dans le ciel là. Tout ça, on va défendre le monde, fait sur la terre. Je ne suis pas capable de faire dans le ciel là non plus. Tout ça, on va permettre le monde de faire sur la terre. Je suis capable de faire dans le ciel là tout. Après ça, il m'a dit si prie au Lord, pour yo, pas dit personne, c'est Christ là lié. Jésus a annoncé la mort la résurrection. Depuis ça, Jésus a commencé à parler à clé à discipline. Il dit yo, et pour moi monter la ville de Jérusalem, pour moi souffrir en pile dans mes chefs familles, dans mes chefs prêtres, dans mes directeurs la loi, yo. Il a fait pour tout le monde. Mais sous 3 jours, pour me lever, sortir vivant dans la mort. Mais ça, il y a Jésus sous côté, il dit comme ça, et moi, mon Dieu, pardon, mais ça va arriver où? Mais Jésus vire tête lui. Il dit Pierre comme ça. Et où était quoi où sous moi? Papa. Je cherchais à faire me tomber. Il dit où? Pas sous ça, où Dieu voulait. Mais sous ça, les hommes d'avril. Après ça, Jésus dit disciples, et si vous voulez marcher derrière, c'est pour oublier tête lui. Et pour changer quoi sous épaule et puis suivre moi. Parce que monde qui t'avait sauvé la ville va perdre lui. Mais monde qui va perdre la ville peut-être moi-même il va joindre encore. Et ça a servi le monde pour le taguer le monde entier. S'il perd la ville. Et ça le monde capable bail pour gagner la vie. Comprenez ça bien. On peut dévoyer dans la chair et pour tourner à Zanjio. Dans toute belle pouvoir papa là. De ça, il va bailler chaque monde ça yo mérité d'après ça yo fait. Ça m'a dit nous là. C'est vrai ou? Dans le monde là, qu'on y a, que là-dedans yo. Ça m'a dit tant mourir. Ça yo pas le monde. Bon Dieu voyer dans la chair. Tourner tant qu'on y a. Gouverner. Amen. Amen. Matthieu chapitre 17. Jésus transformé. 6 jours après ça, Jésus prend Pierre, Jacques avec Jean. Pour Jacques là, il mène yo au contour sous tête du monde bien haut. Quand Jésus était là, il prend chancier devant yo. Et Dieu vient éclairer tant qu'au soleil là. La divine blanc tant qu'au yon lumière. La disciple yo, ou Moïse a qu'elle y paraître. Yo t'a parlé à Jésus. Laissa, elle prend la parole. Il dit Jésus comme ça. Et maître, ta bonne net, Moïse c'est là. Si vous voulez, ma montée toi, t'y kaye. Yon pour vous, yon pour Moïse, ak yon pour Élie. Quand Pierre t'a parlé toujours, il y a un nuage bien éclairé qui nous couvre. Quand il y a une voix sortie dans le nuage là, il dit, et ça c'est petit, moi je remets en pile là. Il fait qu'un content en pile. Les disciples, ils ont des voix, ils ont des faces, tellement ils ont des peines. Mais Jésus proche beaucoup de yo, il m'a dit, il dit, et lève-nous. Tu n'as pas besoin de paix. Le lever chez nous, le voir Jésus, c'est pour compter. En tant que tu as descendu mon nom, Jésus va y aller ça. Et pas parler à personne. Tout ça nous souhaite. Je moi-même, mon bon Dieu, voyez dans la chair, va lever sortir vivant dans la mort. Toi, disciple, pose la question ça. Et. Pour que ça dicte la loi, yo, si
c'est pour élever l'enfant. Jésus répondit. Et c'est vrai. Élie est pour le vin avant, pour mettre tout bagage dans l'ordre. Mais, m'a dit non ça, Élie vient déjà, mais je ne peux pas reconnaître lui. Il fait tout ça, il est venu. C'est comme ça, tout, il est pour maltraiter les gens, bon Dieu, vous voyez dans la chair. Laisse ça, disciples viennent comprendre. Il t'a parlé sous Jean-Baptiste. Jésus guérit ces garçons qui étaient gay du mauvais esprit sous l'IA. Dès arrivé côté foule mondiale, un homme proche bon côté Jésus, de l'agricole à genoux devant. Il dit, maître, j'ai pitié pour petit garçon. Il mal qu'a dit, dans de crise là pour un concert, en pile fois, il tombe dans du feu ou sinon dans de l'eau. On met le bail d'ici pour yo, mais il n'est pas capable de guérir. Jésus répond, à la monde sans confiance dans mon Dieu. À la mauvais monde. Je veux qu'il l'aime pour me retenir dans mes temps, non. Je veux qu'il l'aime pour me supporter, non. Mais les petits garçons, ici, ben moi. Jésus parlait sévère à mauvais esprit. L'esprit a sorti. Même Léa, c'est l'homme a guéri. Après ça, disciples ont approché pour côté Jésus. Demandez à pas. Et pour qui ça, nous pas capables de chasser mauvais esprit ça? Jésus dit, parce que nous manquons confiance dans mon Dieu. Ça m'a dit, non là, c'est vrai, oui. Si nous avons confiance dans mon Dieu, grosser une tigre de montade, nous avons dit Timon ça, où était quoi ou là? Là-bas. Il a changé place. Il n'y a rien. Nous ne sommes pas capables de faire. Mais, qualité, l'esprit ça, c'est force la prière avec Chine pour faire sortir. Amen. Jésus a annoncé la mort une deuxième fois. Un jour, en tant que disciples étaient là, ensemble, dans le pays Galilée, Jésus dit, et moi-même, mon bon Dieu, voyez dans la chair, pour me tomber en bas de mes hommes. Nous prenons tout. Et sous 3 jours, après les sorties vivant dans la mort. Ça te fait distribuer la peine en pile. Jésus paye taxe au temple. Là, Jésus arrive à Capernaum, à Disciplio. Moi qui t'a ramassé l'argent taxe au temple pour chez bon côté prière. Il m'a dit, est-ce que maître roi paye l'argent taxe au temple? Il dit, eh bien, oui. Pendant que Pierre a rentré dans Kaila, avant de l'ouvrir bouche, Jésus dit, et ça, vous comprenez ça, Simon. Qui monde qui gagne pour payer droit à taxe par l'État? Citoyen pays, sinon étranger. Il répondit, étranger, c'est ça. Jésus dit, si c'est comme ça, citoyen, yo exempt. Mais nous parlons de mauvais exemple. Allez, bonhomme, voyons un an de loi. Les premiers poissons, il va mordre là-dedans. Ouvrez bouche, ni. Moi, je n'ai pas l'argent. Mais si vous payez taxes, pam, à taxes par où. Rennes, à le payer pour nous dire, Amen. Mais d'ici ici. Matthieu chapitre 14. Mort de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 15. Les pharisiens et la tradition. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens?
Encore, Matthieu chapitre 15. Les pharisiens et la tradition. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus, sur le territoire de Tyr et Sidon, la femme cananéenne. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas ce mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme,
ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus, de retour vers la mer de Galilée, nombreuses guérisons, seconde multiplication des pains. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles le voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?»« 7 répondirent-ils, « et quelques petits poissons. » Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16. Un signe du ciel demandé par les pharisiens et les sadducéens, le levain des pharisiens. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel ?» Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain
que je vous ai parlé. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus sur le territoire de Césarée de Philippe. Opinions diverses sur le Christ. Confession de Pierre. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon, Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus annonce ses souffrances et sa mort. Comment suivre Jésus? Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Ils n'ont vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Amen. Matthieu chapitre 17. Jésus sur une haute montagne. La transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse,
et une pour Élie. Comme. Continue, Voilà. si, continue, m'a quitté là, continue. Okay. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent ces deux voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste, guérison de lunatique. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le, moi, ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Jésus, de retour à Capernaum, il paie le tribut. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon, les rois de la terre? De qui perçoivent-ils les tributs ou des impôts de leurs fils ou des étrangers?
il lui dit, « Des étrangers ?» Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Amen. » Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer à la prière avec notre sœur Livantia Loricius. Mais avant de faire ça, nous allons chanter « Viens mon âme ». « Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. » Je te livre mon cœur avec son péché. Papa, nous qui sommes au ciel, nous disons merci pour grâce, amour, miséricorde. Nous disons merci pour présence dans nous-mêmes, parmi nous-mêmes. Nous disons merci pour privilège, nous débat, nous force et courage. Merci. Nous sommes capables de parole. Aidez-nous pour nous parler seulement. Aidez-nous pour nous comprendre. Aidez-nous, Seigneur, pour nous appliquer tout. Aidez chaque monde pour parler de permettre des fausses prières. Aidez-nous pour nous attendre seulement. Aidez-nous pour nous capables de comprendre et pour nous mettre en pratique tout. Papa, nous qui sommes dans le ciel, là, c'est au seul nous gagnons. Nous n'avons pas l'autre monde encore pour nous relever. C'est force, nous, c'est courage, nous, c'est tout nous. C'est tout espoir, nous, c'est tout ça que nous gagnons, tout ça nous sommes capables de posséder. Nous coupons nous bien bas pour nous demander pardon pour péché nous d'abord, pour entrer en jugement ensemble avec nous, pour ne pas garder nous sur ça nous fait. Ça nous dit, sous comportement nous, mais nous pas de pour capable garder nous à travers le sang de Jésus qui est versé sous le bois calvaire. Après, pardon pour péché nous, chaque qui souligne nous, nous supplions. Entre en jugement ensemble avec nous, on va inscrire nous dans ton livre de vie, afin que au grand matin de l'éternité, nous allons faire appel, nous capable de nous inscrire dans le livre-là. Papa, nous te merci pour ça, et pour ça, continuer pour nous. Merci pour tout ça fait que nous ne pas connaissons pas. Parce que tout ça fait que nous ne pas connaissons plus, parce que c'est ça que nous connaissons. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de reconnaissance envers nous-mêmes et pour nous apprécier tout ça fait pour nous dans la vie. Aidez-nous. À nos intelligences, à nos compréhensions, Seigneur, à nos sagesses, lise, à nos savoirs, nous avons besoin pour ensemble avec nous, parce que sans nous-mêmes, nous nuls, sans nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire rien. Nous supplions au passé sous l'ignan, bénis chaque famille qui sous l'ignan, bénis de toutes sortes de bénédictions, qu'on essaye à traverser ou qu'on problème. Nous-mêmes, nous ne connaissons même là, nous connaissons qui ça nous a fait pour nous, nous ne pouvons pas faire rien. Parce que nous sommes impuissants, même pour tête, nous n'avons pas faire rien, même pour tête, pas nous n'avons pas de problème. Mais nous n'avons pas de souligne. Depuis qu'on y a, et même pour ça qui va attendre dans le futur, tant pis, Seigneur, quel que soit ça qui a traversé, quel que soit ça qui a tourmenté la vie, quel que soit stress, dépression qui veut envahir, désespoir, découragement, nous demandons un attouchement spécial pour eux, maladie dans ce cap rongé, nous demandons au Seigneur capable de guérir radicalement selon volonté. Et dans moment ça, nous voulons prier pour payer nous en Haïti, peuple haïtien. Nous-mêmes, Seigneur, qui avons traversé des épreuves amères, nous avons tant de grâce, voyons regard soutenu sur nous-mêmes. Dis un mot pour peuple, nous, Seigneur. Dis un mot pour peuple haïtien. Nous avons besoin de présence. Et des peuples non capables ou pas qu'à vivre sans nous-mêmes. Fait qu'on ait essayé de toute façon, il n'est pas capable de vivre. Son seul zèle qu'il a gagné, c'est au seul qu'il a gagné. Tant pis, Seigneur, c'est un bon nom pour le peuple haïtien. Tant pis, nous faisons une gloire, une louange, on même seul mérité un retour. N'attend, oui, Seigneur, tant pis de grâce, parce que c'est seul ou même qui est capable de dire un mot pour nous-mêmes. Et dire un mot pour ça qu'en Haïti, dire un mot pour nous-mêmes qui vivent à l'extérieur du pays. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de rester attachés
à vous-même. Aidez-nous pour nous capables, nous avec tout cœur, nous, toute force, nous, tout courage, nous, tout être, nous, tout entier. Aidez-nous, Seigneur, retirez toute contrainte qui est dans nous-mêmes, qui t'a pour empêcher nous faire nous pas servir. Dans façon pour nous t'adouer servir, parce que toi bon, toi goût, toi douce, pour nous pas t'avouer servir. T'en prie de grâce, même privilège, vous faites nous cadeau, même grâce, faveur, ça qu'on fait nous, on va faire l'autre tout, qui a besoin, ou qui attend nous, mot. Un mot seulement, Seigneur. Tant pis, on va faire au cadeau privilège ça tout. Même si on fait pour nous, on va faire pour nous-mêmes tout. Nous disons merci d'être toujours tant d'écrit nous. Merci d'être toujours exaucé nous. Merci pour pécher nous et que vous pardonnez. Merci pour examen finalement que vous avez aidé nous passer avec A+. Aidez-nous, Seigneur, pour que nous capables toujours constamment converger vers vous-même et vous-même seulement. Avec nous, aidez-nous, guidez-nous, dirigez-nous et augmentez-nous la foi si le péril augmente. Dans nos petits touches, Jésus-Christ, que nous prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel fasse vivre sa face sur nous, qu'il nous donne sa paix, son amour. La vie éternelle, une double portion de son Saint-Esprit et l'amour du prochain en Jésus-Christ crucifié. Amen. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Victoire au nom de Jésus, 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 victoire et la délivrance pour force prière, victoire et la délivrance pour force prière, victoire et la délivrance pour nous chaque qui souligne, victoire et la délivrance pour peuple haïtien. Amen. Amen, amen, amen. Zanmi myo, fwè ak sè myo, peuple k ap préparé pour ciel là. Compatriotes haïtiens nous. Merci infiniment parce que nous te prenons temps pour prier et lire la Bible nous avec Chanel YouTube Force Prier. Pas oublier. Prier by puissance, prier by victoire, prier by pouvoir, prier by force. Prier, approchez-nous plus près du Créateur et prier c'est une clé qui ouvre toute porte et avec force prière n'a pas accompli tout ça. Zanmi myo, pour haïtiens compatriotes nous. Nous praler. Mais n'a quitté nous sous attention, affection, direction et protection. Papa nous qui dans ciel là, le Tout-Puissant qui pas jamais lié nous. Sous ça, zanmi myo, frèm sè myo, n'a dit nous au revoir. Bonjour, bonsoir, goodbye, bye bye, bye.